Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 16 de la carrière avec notre FC Sochaux. Et oui les amis, après un épisode mouvementé, faut le dire, j'étais dans tous mes états ce match. C'est vrai que c'était un très beau match, quand même l'un des plus beaux peut-être du 0-0 face à Marseille. Voilà, 4-3, on s'en sort bien et on est toujours dans la course pour le titre. Aujourd'hui, Lens, Clermont, Strasbourg, voilà, il faut pas perdre le cap, garder en tête qu'on a une possibilité peut-être d'être champion, mais ça dépendra de nous. Déjà, à commencer par ce match face à Lens, on voit que le PSG a déjà gagné son match en retard face à Lille, 3-0. Voilà, alors que nous, on l'a perdu ce match chez eux. Le PSG, non, ne tremble pas. Voilà, en tous les cas, on est toujours maître de notre destin. On gagne, on passera devant à 2 points. Voilà. D'abord Lens, après Strasbourg. Entre-temps, on a aussi Clermont. Le PSG aussi jouera une demi-finale de Coupe de France en espérant que Strasbourg puisse peut-être assurer une place en finale. Je préférerais bien sûr prendre le RC Strasbourg que le PSG, hein, voilà, on ne va pas se le cacher. Donc on est parti pour cet épisode, on approche de la fin de saison, peut-être une fin de saison magique ou peut-être tragique, on ne le sait pas. Mais voilà, il y a quand même du costaud, Wai, Ekitike, Wea, Diouf, Dardé. C'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. Il faut être réaliste. Cette équipe peut nous poser des problèmes. J'ai fait l'équipe. J'ai gardé un peu tout le monde. Je vais mettre Van Kosvel parce qu'il y a un risque de blessure côté Rosten. Ouais, on va y aller avec Kosvel. On va mettre consigne particulière. Street sur YI. Ekitike et Wea, pressing plus intense. Et Diouf, mauvais pied, les deux milieux de terrain. Allez, première finale de cet épisode. Hein. C'est que des finales maintenant, jusqu'à la fin. Oh là 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 là. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud les amis. Mais je sais que j'ai le soutien, j'ai votre soutien. Et ça fait plaisir. Franchement, vous avez été nombreux. J'espère aussi que vous avez kiffé la vidéo de lundi. C'est un peu différent, voilà, j'ai pris le temps, j'ai regardé un peu les classements et j'ai préparé des petits challenges à faire sur FM25. Il se peut que pendant l'été, que je me penche un peu plus sur ce genre d'épisode. Et vous fasse d'autres vidéos sur le sujet. J'ai déjà quelques idées sur ça. Mais ça sera par thème, tu vois. Ce sera, par exemple, les meilleurs challenges en Afrique, meilleurs challenges en Asie, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je vais vous préparer ça. Et je veux que personne ait des doutes. Je veux que tout le monde ait des petites idées, des petits projets à faire pour FM25. Je rassure tout le monde, moi, ça sera le 0-0, bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas trop de doute là-dessus. On va continuer à vivre des aventures inoubliables dans ce genre de carrière. Partir de tout en bas, aller tout en haut, c'est dur. Mais on découvre voilà, des clubs, on découvre des joueurs. Ça fait plaisir. C'est comme ça que je le vois. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, surtout dans ce match. 0 tir en 15 minutes. Allez, Canizares. Caracostas. Alors qu'il pleut ici à Sochaux. Je ne jouais même pas ici, les gars. Je jouais. Ok, super. Warner qui vient décrocher. Super. Il fallait que quelqu'un vienne prendre le ballon. Van Kosvel vers Sherendur. Alvero qui va jouer sur Pocho. Il y a un peu d'espace. Ouais, on avait cassé la ligne. Dommage. Mais on conserve le ballon. Alvero. Caracostas. Pérez Jiménez, voilà, qui commence petit à petit à rentrer dans le 11 et à montrer de bonnes performances, l'Espagnol. Wilson. Oui, Bardola Strandhagen. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Rechute pour Kofi, les gars, entre 2 à 4 semaines. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Strandhagen titulaire et il loupe pas l'opportunité, il marque. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 1-0 pour le FC Sochaux.
Allez, il faut continuer. Mais attention, Alvero qui a pris ce petit jaune là. Pour un 6, c'est pas idéal. Van Cosveld pour Wilson S. Brown. Van Cosveld pour Alvero. C'est compliqué. C'est compliqué de maintenir la possession sans faire de boulette. Hein. Oh, purée Jiménez, mais quelle anticipation de l'Espagnol vers Strandhagen aussitôt. Je pense que là, on peut jouer le ballon dans la surface, les gars. Prenez le temps. Prenez le temps, on mène. Dardé pour Bocelli qui écarte vers Travassos. Travassos, le centre. Je voulais vous montrer Canizares depuis tout à l'heure. Vous allez halluciner la valeur de Canizares. Je l'ai vu l'épisode dernier. J'ai halluciné. Bon. Attention les gars, quand même, attention. On voit que cette équipe lensoise est capable. Bien Wilson, super. Super. Regardez combien il coûte. Je ne sais pas si on peut avoir l'historique de sa valeur. Mais Lucas Canizares, il y a un an et demi, deux ans, il valait 5 millions. Il a été acheté 375K. On ne peut pas voir, c'est dommage. J'aurais voulu voir la fourchette. Parce que c'est hallucinant la valeur qu'il a pris 28 ans. Regardez-moi cette fiche. Très bon. Hein. Encore une fois, hein, je le conseille. Hein. Si vous ne savez pas qui prendre au goal, bah Canizares, je peux vous le dire, c'est une valeur sûre. Bon. C'est bien beau tout ça, il y a 1-0, mais pas convaincu là. Medina, Strandhagen qui vient mettre sa tête. Medina, attention, hein, ça serait terrible. 40e là, ça serait terrible. Bocelli vers Travassos. Voya, Travassos. Je le dis en portugais parce qu'il doit être portugais. On a beaucoup de chance là. On a beaucoup de chance. Ils font mal avec leur centre. Hein. Ils font très très mal avec leur centre, notamment lui là. Ouais, c'est un portugais. 4 tirs, 6 tirs, 3 cadrés chacun. Et le corner pour le FC Sochaux. Warner. Oh mon dieu. Oh, oh là là, Caracostas, la tête qui passe. Juste à côté du poteau. Et là, ça part de l'autre côté. Dardé. Ouais, bien Strandhagen. Il fait un très bon match, Strandhagen. Hein. Travassos. Pour Medina. Qui écarte sur Calafiori. Qui va chercher Wai. Je dirais qu'il y a hors-jeu comme ça, à vue d'œil. À vue d'œil, je dirais, monsieur Clément Turpin, qui a but accordé. Ok. Non, mais il faut toujours souffrir dans ce jeu. Il faut toujours souffrir. Qu'est-ce que tu veux y faire? Je vais enlever les trois. Hein. Les trois devant, hein, à part Strandhagen. Ah, c'est trop. C'est ça aussi de rater les occasions. C'est ça. Wilson, Rosier, Le Penant, Forte. Oh, ça c'est bien joué. Forte, l'accélération qui va chercher à droite. Tété, le Brésilien. Tété qui peut centrer. Oui, il n'y a personne pour mettre la frappe. Wilson S. Brown. Le contre-sanquant. Oui. Magnifique. Oh là 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 là. Magnifique, les gars. Magnifique.
Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Putain, on a bien fait de passer par les côtés. Hein. Medina, vers Wai. Oh, il est tout seul au point de pénalty, attention. Tête, tête, tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire entrer Rosten. Demi-centre. Allez, allez, il faut défendre, les gars. Il faut défendre. Ayari. 89e minute. Medina. 5 minutes de temps additionnel encore dans ce match. Medina. Cherche des solutions avec Diouf. Oh, faut pas laisser. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Non, presse pas, Stranda Games, presse pas. Oh, je joue comme ça. Hein. Ah, j'en ai rien à secouer. Hein. Ah, le bus. On joue comme l'Atletico. Ah non, moi je veux les 3 points. Hein. Ah là, on en a rien à foutre de la manière. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Penalty à la dernière seconde. Bon. Bah décidément, les débuts d'épisode en ce moment, ça a du mal. Hein. On perd face à Lille en ouverture. Là, on fait un match nul à la dernière seconde, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est dur, hein. Ah, je suis dégoûté, hein. Ah, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est extrêmement dur. Là, c'est violent. Là, c'est très, très violent. Là, j'ai un peu mal. On joue face à Strasbourg le prochain match. Et ils vont jouer face à Troyes à l'extérieur. Ils ont encore Marseille, Lens, Strasbourg. Oh là 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 là, mais il faut toujours, mais de toute façon c'est ça, il faut toujours, moi, il faut toujours du suspense, sinon c'est pas marrant. Non, je ne peux pas, à tous les coups, hein, je lâche ça comme ça, à tous les coups, on est champion à la dernière journée, hein. Un but à la 85e, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh là 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 là. Oh là là, c'est dur, que c'est dur.
Oh, ce but, il nous a tués. Oh, le coup de couteau, mon Dieu. Oh, j'ai mal. Les gars, j'ai mal à la douleur. Oh, ils l'ont fait, ces bâtards. Ils nous ont égalisé notre race. Et les remplaçants, 6.5, 6.6, 6.5, 6.6. Ok. Bon, les amis. On passe à la Coupe de France, à une demi-finale face à Clermont. J'espère au moins qu'on va pouvoir se qualifier gentiment en finale, sans trop trembler. Parce que là, je l'ai ici. Hein. Là, les deux premiers matchs, je l'ai ici. Hein. Si on ne le gagne pas, ça va en chier. Bon, les amis, on y est pour la demi-finale face à Clermont. Voilà, j'ai fait l'équipe. Ils me doivent une qualification en finale, je te le dis. Luciano blessé, Kofi, il revient dans 3 jours déjà. Bah, ça, c'est bien. Caracostas fatigué. Et sinon, bon, il y a quand même une équipe remaniée. Il y a quand même une équipe remaniée, mais je m'en fais pas trop. Oh là 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 là, mais on a perdu face à Lille, perdu face à Lens. Bon, on sait que c'est des adversaires, voilà, qui font pas un très grand championnat, mais qui ont quand même de la qualité, ils l'ont montré. Après, un penalty, s'il te plaît, un penalty, quoi. Ouais, notre forme, elle est pas ouf. Hein. Mais c'est peut-être maintenant le déclic. Allez, ils sont quand même en Ligue 2, voilà. Il faut bien sûr pas les sous-estimer, les respecter. Mais les gars, il y a une finale qui nous attend. Moi, je dis, il y a une finale. Donc, il faut tout donner. Il faut en plus à la maison, devant nos supporters et tout. Non, on peut pas louper le coche. Allez, Thibaut pour Kerry Forte. Thibaut, le centre bien appuyé. Oui. Voilà, Lucas Rosier, quel centre de Thibaut bien appuyé pour la tête de Rosier. 1-0. Voilà les gars, merci. Mais on ne voit pas l'équipe de Clermont-Kerry. Ça veut pas pour lui. Le bas. Allez, il manque plus que 1 minute avant... La mi-temps et la récupération Joseph Brun. Tout de suite pour Rosier. Rosier dans la surface. Il peut centrer. Oui, Tété qui marque son 2e but de la saison. Voilà, voilà. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Non. T'arrives, tu fais un centre, il y a un mec pour la mettre. Voilà. Football, parfois, c'est simple. C'est bien, les gars. Voilà, bon travail. Bon travail. Voilà. C'est bien les gars, super. Fais un bon match. Tété. Ouais, attention là, la perte de balle. Valencia pour Sibéri. Wow. Ah, et ben, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Clermont. Avec Sibéri là. Ouais, pas mal. Tir de loin 9, mais pas mal, ok. Un tir, un but, voilà, il en faut peu pour cette équipe de Clermont. Allez, Tété. Oui, Kurt Zouma qui marque. Oui, ça c'est beau à voir. Magnifique. Ah, un des leaders du vestiaire qui marque, ça fait plaisir. Bon, on va féliciter. On va leur dire d'arrêter de s'exciter. Et là, pour l'instant, je ne ferai aucun changement. Peut-être Westbeek qui rentrera. Sinon, le reste, c'est les titulaires. Donc, j'ai pas envie de les fatiguer derrière. On a un match très, très important face à Strasbourg qui, à mon avis, va aligner l'équipe type dans cette demi-finale. Donc, moi, je veux bien reposer les cadres pour arriver fraîchement dans face à un rival en plus. Hein. Strasbourg et Sochaux, c'est des rivaux. Hein. Bon, il y a un petit peu de fatigue, on va juste mettre Westbeek. Et peut-être un Alvero, vu qu'il a enchaîné les matchs. Voilà, juste ça, un double changement. Westbeek. Ouh, c'est bien joué.
Voilà, 4-1. Je pense que là, c'est bon. Le break est fait. Voilà. Super. Quelle combinaison. Tété qui fait deux passes décisives et un but. Tété qui se met en confiance, c'est bien. C'est ce qu'on attend de lui, un joueur cadre comme ça, un joueur d'expérience. C'est vrai que Roman est un peu irrégulier, donc s'il peut amener son expérience et être décisif, c'est ce qu'on demande de lui, du Brésilien. D'ailleurs, je vais peut-être mettre Roman. Hein. Si on peut utiliser Tété comme titulaire au prochain match, je prends. Ouais. Westbeck. Au deuxième, c'était vers Van Kozel. Pocho qui vient de rentrer. Vers Kurt Zuma. L'accélération de Kurt. Le centre au deuxième poteau. Joseph Brun. L'accélération, il est passé. Ah, Strandhagen, il est pas hors jeu. Ah, peut-être Roman. Mais après, il a pas dans. Ah, il a mis. Bon, bon, on prend hein, 5-1. But de Strandhagen, voilà, un but de plus qui va le mettre en confiance pour le prochain match où il sera titulaire. Westbeck. Encore. Je l'avais mis en coupe, il marque, je le remets, il marque. Et Westbeck, il aime. Westbeck, il adore ce genre de match de coupe. Je t'ai dit, Westbeck, c'est Westbeck. Il restera éternel, Westbeck. Magnifique, 6-1. Et c'est peut-être pas fini, une dernière action. 94, on dépasse d'une minute déjà, mais l'arbitre... Ah. On va en finale, les gars. On va disputer une Coupe de France, une finale de Coupe de France. Bravo à tous. Bon, hâte de voir ce que Strasbourg ont fait. 450K. Bon, les finances, on en a besoin. Parce que là, bon, peut-être pas dans le solde général, mais ici, on en a besoin. On a complètement pété les dépenses salariales. Et voilà, Tété, c'est ce qu'on demande. Merci. On rejoue dans 4 jours, donc face à Strasbourg. Je vais envoyer l'entraîneur adjoint. On veut préparer ce match en espérant... Bah, je pense hein, logiquement que Strasbourg a dû aligner les titulaires hein, pour ce match. Et en plus, ils vont jouer jeudi alors que nous, on a joué mercredi. Donc, on sera plus frais, ça, c'est sûr. Ah, c'est maintenant, c'est maintenant. Allez, Strasbourg. Allez, Strasbourg. Allez, Strasbourg. Allez. Allez, Strasbourg. Allez, Strasbourg. Allez. Allez, Strasbourg. Ah, mais ça n'a pas été si facile que ça. Ils marquent un but à la 20e. Après, voilà, ils ont mettre un dernier à la 90+1. Bon, ça sera le PSG, les amis, en finale. Et ça sera au Stade de France. Donc, j'ai envie de te dire que le PSG joue quasiment à domicile. Ah là 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 là. On les a jamais tapés. Jamais, jamais tapés. Il faudra les taper dans une finale de coupe. Oh là là. Ils nous lâchent pas. Hein. Ils nous lâchent pas à la grappe. Hein. C'est incroyable. En fait, c'est ça la Ligue 1. Tout se joue face à une équipe. Tout se joue contre une équipe. Le championnat, on est égalité. Et on joue une finale face à eux. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Hein. Bon, on y est. Hein. On y est pour ce match. Face à Strasbourg. Face au rival. C'est vrai qu'historiquement, on a gagné pas mal de matchs. Hein. Sur les 4 derniers matchs, on en gagne 3. Luciano, c'est bon, il est apte. Et espérons un 3, un estac de folie. Mais tu vois, on dépend tout le temps des autres, quoi. Et ça, au bout d'un moment, ça... Je vais mettre Kofi sur le banc, hein. Il est apte. Tété, Warner, Rosier, franchement, l'équipe, elle est belle. Hein. Là, elle est belle. Elle est très, très belle, l'équipe. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Sur le papier, j'aime beaucoup. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Est-ce que ça sera suffisant? On verra bien. On verra bien. Allez, prenez du plaisir, non? Les points serrés.
Ça, c'est pour les supporters. Ce match, c'est pour les supporters. Parce qu'ils connaissent la rivalité qui existe entre ces deux clubs. C'est qui, Aranda? Eh ben, c'est un sacré joueur prêté par Chelsea. Hein. Attention à lui. Hein. Attention à lui. Par contre, il y a un petit peu de fatigue, comme je pouvais l'imaginer. Et on va y aller comme ça. Allez, dernier match déjà de cet épisode après un revers un peu inattendu face à Lens. On se doit de gagner ce match. Malheureusement, voilà, on est égalité avec le PSG. Encore une fois, on dépend plus de nous. C'est compliqué. C'est compliqué. Bah allez, peut-être que le PSG pourra glisser, on ne sait pas. Tété pour Strandhagen, qui va perdre le ballon. Attention à Djel Poulain. Bien cher Endur qui vient fermer la porte. Allez, Warner qui va taper. Ça, c'est bien tiré vers Osten. Ça revient sur cher Endur. Karakostas. Pérez Jiménez. Allez, vers l'avant, les gars. Vers là. Première perte de balle de jeu. Première perte de balle en une minute de jeu. Quand je te dis qu'en ce moment, le milieu de terrain, ça va pas, c'est sérieux. Allez, Pérez Jiménez pour une touche. Alvero. Cherendo. Karakostas. Repasse à droite avec Pérez. Accélère. Voilà. Tété, le Brésilien. Il a trop poussé. Attention. Aranda vers Djel Poulain. Tête. Attention, Tété, attention. Je veux bien que tu t'exprimes, mais quand il le faut, quoi. Warner, Tété. Au moins, il essaye d'accélérer, tu vois. Oh, bien ça, Tété. Oh, dommage. Allez, faut récupérer ce ballon. Super, Rosten. Vers Cherindour. Alvero. Super, Wilson. Cherindour. Allez, accélère. Voilà, monte. Tété, accélération. Va. C'est le Brasil. Le centre. Oh, c'est nul, putain. Les actions sont nulles. Bon, je vais faire des changements. Roman. Et Ferreira. Les deux ailiers qui sortent, quoi. Allez, je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous. Vous devez faire mieux que vos collègues, là. Oh, mais Wilson. Incroyable. Oh là là, on n'arrive pas. C'est incroyable. Je comprends pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre mon équipe parfois. C'est pas possible. Hein. On va choke comme ça. On va choke la fin de saison. C'est incroyable. Ce n'est pas possible ce qui nous arrive. Ah.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh. Oh là là, bon, attends, il reste 10 minutes. Peut-être qu'on peut marquer un but. Si on en marque un rapidement, on sait pas, hein. Voilà, faut presser, faut y aller, hein, les gars. Austin, pour Wilson. Super, vers Ferreira, belle ouverture, il faut centrer. Oui, vers Paul Warner. La boulette! La boulette du gardien! Un partout, c'est pas fini! C'est pas fini! Allez, les gars! Allez, les gars! Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Quatre-vingt-sixième, quatre-vingt-septième, c'est pas fini jusqu'à la fin et on va se battre. Allez les gars. 5 minutes. Allez, c'est pas fini. 90e. Allez Paul Warner, je t'en supplie. Oh dommage, putain. Allez, c'est pas grave, il va la taper, il faudra la récupérer. Voilà, exactement. Pérez Jiménez, vers Pocho. Il faut accompagner. Paul Warner. Allez, presse, 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 presse. Oui, Pérez Jiménez. Oh là là, mais applique-toi! Allez, les gars. Il faut y croire. Jusqu'à la dernière seconde, il faut y croire. Pérez Jiménez. Vers Canizares. Allez. Voilà, Rosten. Wilson. Forte. Oui. Ferreira, Wilson, Forte, Forte. Putain. Allez, allez. Oh là là, faut. Oui. Oh là là, mais ballon revient toujours dans le mauvais sens, Kofi. Oui. Oh là là, l'ouverture. Pocho, Pocho. Pérez Jiménez. Alvero, putain, mais c'est fin de match. Paul Warner, Rosten, à gauche, à gauche, à gauche. Oui, ou pourquoi pas, Ferreira. Non, mais laisse tomber, le jeu, il veut pas. Hein. Le jeu, il veut pas. Oui, dernière action. Allez! Allez! Oh non! Oh mon Dieu, non! Putain! Oh non, on va perdre là-dessus. Putain, quel épisode pourri qu'on a fait. Oh là 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 là. Deux matchs nuls en championnat, on vient de tout niquer. On vient de tout niquer, putain. Oh là 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 là. On n'y arrive plus. Ah là 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 là. Oh, il nous a trouvé un Coréen. Il est pas mal, hein. Oh là là, on va quand même avancer juste pour voir ce que le PSG a fait, hein. Oh là là, c'est terrible. Kofi qui trouve la barre. Encore. Déjà, ça nous arrivait avec Kerry qui met le poteau dans l'autre match. Je crois que c'était face à l'Atalanta. Et là, on met la barre. Ah là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est moins grave que prévu, mais c'est dommage. On l'aurait gagné ce match, on serait encore devant le PSG, on est toujours... Bon, heureusement que le PSG fait match nul, heureusement. Ça limite les casses, ça limite les casses. Voilà, on est toujours ex aequo. Mais putain... Oh là là, t'imagines... On gagne... On peut pas, voilà, on sait que voilà, on a merdé, maintenant ça sert à rien de revenir dans le passé. Ah, mais c'est terrible, hein.
Et je pense, je commence à en avoir un peu ras le cul de cette tactique. Il y a un monde où on repasse en 4-3-3. Ah là 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 là. Parce que j'ai remarqué, on a beaucoup de mal face à des 4-3, à des 4-2-3-1 comme ça quand nous on l'est aussi. Bon. Les amis, on se donne rendez-vous pour l'avant-dernier épisode. Reims, Monaco, Toulouse. Tout est encore possible. On est ex-aequo. Il faudra, encore une fois, hein, il faudra que le PSG perde des points quelque part. Peut-être face à Marseille, peut-être face à Lens à l'extérieur ou peut-être face à Strasbourg. Mais mine de rien, PSG aussi a un peu de mal. Mais bon, il y a eu des matchs voilà, il y a eu match ici. On voit que souvent, après la coupe, ils font match nul. Mais là, il n'y a plus de coupe. Hein. Là, c'est fini. Donc, à voir. À voir. Il reste un mince espoir. Mais il faudra encore une fois gagner tous nos matchs. On a du mal. En ce moment, on a du mal. Il faudra que je fasse le point quand même sur l'équipe, que je regarde qu'est-ce qui se passe, où ça bloque, où il y a un problème, et revenir plus fort pour les derniers matchs. Voilà les amis, on se quitte là-dessus, n'oubliez pas de liker, de vous abonner comme d'habitude, et on se donne rendez-vous pour l'avant-dernier épisode de cette saison numéro 8. Ciao ciao les gars.